J'ai fondé en 2008 les éditions Dagan. Le projet éditorial, c'est des livres pour toute la famille, si je peux me résumer ainsi. C'est-à-dire que nous sommes une maison d'édition généraliste et notre propos, c'est de proposer au lectorat qui s'intéresse à l'Afrique et aux cultures africaines. Et quand je dis africaine, je parle de l'Afrique, mais je parle aussi de cette diaspora. Donc l'Afrique dans les autres continents, la culture africaine dans les pays d'accueil, hein, ou les continents d'accueil des Africains dans le monde. Donc c'est de proposer à tout ce lectorat, qu'il soit africain ou d'autres origines, des livres d'auteurs africains qui mettent en avant, qui valorisent l'Afrique, ses cultures, son histoire, en particulier son histoire occultée. Étant historien moi-même, j'y ai mis un point d'honneur de contribuer à ce qu'on connaisse mieux l'histoire de l'Afrique. Ainsi, nous avons créé de nombreuses collections, jeunesse, bande dessinée, du roman, du théâtre, de la fiction, dans le domaine du conte, dans le domaine du roman, ou encore le roman historique, du roman sentimental, du roman contemporain tout court. Et des essais, bien sûr, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de l'histoire de l'Afrique, des diasporas africaines. Et aujourd'hui, au Salon du Livre de Genève, trois auteurs viennent présenter des nouveautés. Un roman historique qui parle de l'esclavage, des razzias négrières que l'Afrique a subies entre le 15e et le 19e siècle. Et puis aussi, un ouvrage jeunesse qui plonge le jeune lectorat, qu'il soit africain ou originaire d'autres régions du monde, dans l'histoire ancienne de l'Afrique, puisque Amana, l'enfant Dieu, écrit par Kamakamanda et illustré par Junior Beckley, nous parle du premier empire d'Égypte fondé il y a 5000 ans. Et puis Joël Esso, qui est auteur et scénariste et dessinatrice de bandes dessinées, mais aussi de livres illustrés, de livres d'activités, coloriage, est venu aussi au Salon Livre de Genève présenter ses derniers livres, notamment le livre de coloriage sur Douala et puis aussi le livre de coloriage sur les symboles Adinkra du Ghana et de la Côte d'Ivoire. D'un point de vue général, l'objectif de Dagan, c'est vraiment devenir l'éditeur de référence, en tout cas, ou l'un des éditeurs de référence sur l'Afrique. Bien sûr, il y a déjà plusieurs maisons d'édition africaines qui existent, à la fois sur le continent ou dans la diaspora. Nous sommes basés en France et l'objectif, c'est effectivement de devenir un de ces éditeurs de référence et de proposer justement au lectorat des livres qui leur parlent de l'Afrique, mais d'une manière plutôt positive, parce que j'estime que l'Afrique est trop présentée en termes toujours d'histoire négative, des conflits, etc. Et que bien sûr, il ne faut pas cacher, occulter les problèmes auxquels sont confrontés les Africains. Il faut en parler, mais il faut en parler et proposer des solutions et non se morfondre justement dans les difficultés. L'Afrique, aujourd'hui, c'est plus d'un milliard d'habitants. Et donc, il faut proposer à sa jeunesse et à ses forces vives, effectivement, des ouvrages dans lesquels ils peuvent se ressourcer et trouver matière justement à réflexion, matière aussi même à création. Ils peuvent trouver aussi des sources d'inspiration pour aider notre continent à aller mieux. La place de la littérature africaine aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit ici en Suisse, dans d'autres pays européens, va crescendo depuis la création de Présence africaine, hein, qui est l'éditeur historique africain qui a plus de 60 ans d'existence maintenant. Il y a quelques jeunes maisons d'édition aujourd'hui qui émergent, dont Dagan, et l'objectif à tous, c'est effectivement de contribuer à ce que cette littérature africaine, à ce que les écrivains africains puissent mériter une place méritée dans justement le quota littéraire non seulement européen mais mondial. Thank you.
Bonjour à tous, je me présente, je suis Junior Magnat Beclé. Je suis le co-auteur du livre Amana l'enfant Dieu avec Kama Siwar Kamanda. Donc c'était une grande chance pour moi de travailler avec cet auteur car j'aime beaucoup ses livres. Et son histoire de l'enfant Dieu m'a vraiment inspiré pour faire des images et pour faire des illustrations. Personnellement, je viens de Grenoble, je suis né à Grenoble. Et j'ai fait mes études à Paris dans une école qui s'appelle New Age, qui est spécialisée dans le jeu vidéo et l'animation 3D. Amana l'enfant Dieu, c'est l'histoire d'un prince nubien qui va accomplir son destin et devenir roi d'Égypte. Et à travers le livre, on va découvrir son parcours et ses péripéties dans un univers complètement fantastique de l'Égypte ancienne, et là où il va devenir roi d'Égypte. Amana, l'enfant Dieu, c'est un conte qui nous rappelle l'origine de l'Égypte et des pharaons. C'est un conte qui nous rappelle que les fondateurs de l'Égypte venaient de l'Afrique centrale. Ainsi, l'unificateur de l'Égypte était quelqu'un qui était parti de la Nubie pour unifier et la Nubie, la basse et la haute Égypte. Et comme les Africains doivent de plus en plus découvrir l'histoire africaine et ne jamais oublier d'associer l'Égypte à l'Afrique, parce que la plupart des écrits actuels ou des propagandes actuelles associent l'Égypte à l'Orient, comme si l'Égypte ne faisait pas partie de l'Afrique, alors que l'Égypte ancienne, l'Égypte des pharaons, était une Égypte bantou-soudanaise. Donc l'Égyptien autochtone est un bantou soudanais. Et c'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage à ce peuple, à son passé et à sa contribution à la naissance de l'Égypte et à la naissance de la première civilisation digne de ce nom. Donc Amana, l'enfant Dieu, c'est l'unificateur de l'Égypte dans sa véritable vision égyptienne et nubienne. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit ce conte, c'est pour que les enfants égyptiens, les enfants africains puissent les lire, puissent aussi être fiers de ce que l'Afrique a pu apporter à la civilisation universelle. Parce que leurs ancêtres n'étaient pas Gaulois, leurs ancêtres n'étaient pas Cléopâtre, ni Alexandre le Grand. Qu'ils doivent savoir qu'avant Alexandre le Grand, avant Cléopâtre, qui étaient tous deux des étrangers qui étaient venus conquérir l'Égypte et dominer le peuple égyptien, il y avait les pharaons égyptiens qui avaient créé la première civilisation et qui avaient créé tout ce que la société contemporaine d'aujourd'hui a dans ce qui fait la dignité de l'homme d'aujourd'hui, c'est-à-dire les règles juridiques, la culture, la civilisation, la peinture, la littérature, tout ça, ça venait de l'Égypte. Et c'est notre contribution à la civilisation universelle, c'est pour qu'il n'oublie jamais d'où nous venons et qu'il ne soit jamais complexé. Voilà. Donc j'invite à chaque parent africain à faire lire ces livres à ses enfants pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas moins bien que les autres, qu'ils ne sont pas plus que les autres, mais qu'ils font partie aussi de l'histoire universelle et qu'ils doivent la partager en âme et conscience. Voilà, c'est ça ma conviction en moi. C'est pour ça que j'ai voulu écrire cette histoire, parce que c'est l'histoire qui relie l'Afrique à l'Égypte, la vraie Égypte, et qui fait comprendre à l'enfant africain, à l'homme africain, que l'Égypte est avant tout, l'Égypte des pharaons est avant tout un monde bantou soudanais, et que c'est l'Afrique. Voilà. Indépendamment des colons qui y sont aujourd'hui et qui y étaient hier, il ne faut pas oublier que la grandeur de l'Égypte n'est pas lié aux gens qui y sont aujourd'hui, ni des colons d'hier, mais c'est lié à ce que les Nubiens et les Égyptiens
avait fait de l'Égypte avant Jésus-Christ. 5 000 avant Jésus-Christ, 10 000 avant Jésus-Christ, ils avaient donné au monde la médecine, l'architecture, etc., etc. C'est pour garder la mémoire. Voilà, c'est une contribution à la mémoire africaine. Je vous remercie. Je vous invite à lire ces contes, que vous soyez africain ou non, pour comprendre la vérité sur le monde dans lequel nous vivons, pour partager la vérité du passé qui nous concerne tous. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'orient, occident, ça n'a pas d'importance. Mon souci à moi, c'est que l'homme, d'où qu'il vive, d'où qu'il vienne, il sache que les hommes se sont battus pour que nous ayons des civilisations dignes de ce nom, pour que nous ayons des sociétés civilisées avec le droit, que nous ayons des sociétés qui nous protègent avec une médecine avancée, comme ce fut le cas en Égypte ancienne. Sans l'Égypte ancienne, aujourd'hui, on n'aurait pas de médecine comme nous l'avons aujourd'hui. Sans l'Égypte ancienne, on n'aurait pas l'architecture comme nous l'avons aujourd'hui. Sans l'Égypte ancienne, on n'aurait même pas des sociétés étatiques aussi mieux structurées que nous les avons aujourd'hui. Donc, pourquoi ceux qui sont descendants de ceux qui ont inventé tout cela doivent aujourd'hui être victimes de racisme et de mépris des autres? C'est une question que je vous pose. Merci. Bonjour, je m'appelle Mariam Diaye, je suis sénégalaise et je suis auteure d'une trilogie publiée aux éditions Dagan. Une trilogie dont le tome 1 sortira en librairie, le tome 1 que voici sortira en librairie le 11 mai 2015 en France. Et le tome 1 de cette trilogie s'appelle « Le crépuscule des Bohicains ». Alors dans ce tome 1, c'est une épopée romanesque, une saga historique qui commence au XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle. Et l'histoire se déroule dans le sud du Sénégal, dans la région de la Casamance. Et cette région dans mon histoire est habitée par des peuples tirés de mon imagination, les Cajans, les Lantas, les Abayes, les Jagos. Et le personnage principal est un jeune Cajun qui s'appelle Landing, qui aura une vie dans laquelle il vivra de plusieurs aventures héroïques qui vont le transporter bien loin de la terre de ses ancêtres. Donc ce jeune personnage, Landing, est né durant une période assez trouble de l'histoire de son peuple, car le mal arrive en terre Cajun lorsque Landing devient adolescent. Donc le mal, c'est l'ombre noire dont je parle dans mon livre, La Grande Ombre Noire, chargée de malheur et de richesse. Et cette ombre noire va venir semer la terreur en terre Cajun. Et les Cajuns, le peuple entier sera obligé de faire un choix. Accepter de se soumettre, perdre sa liberté mais rester vivant, ou alors résister à cette grande ombre noire et mourir, perdre la vie. Donc voilà, toute l'histoire repose un peu sur ce dont je viens de parler, ce choix que va devoir faire le peuple Cajun en totalité. Tout le monde va devoir faire un choix et tout le monde va devoir se battre pour soit rester libre et pour certains peut-être accepter de se soumettre et rester vivant. Donc voilà en quelques mots une présentation de ce tome 1 de ma trilogie. Je m'appelle Joël Esso, alias Jackie. Je suis du Cameroun. Comment je suis venue à ce métier? C'est une question très simple et très compliquée en même temps. Tout à fait par le hasard. C'est un concours de circonstances. En réalité, je dessine depuis toujours et puis j'ai fait des études d'art graphique, lycée technique, puis
université. Et ensuite, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, illustration, peinture, déco, bande dessinée. Mais bref, au gré des circonstances de la vie, je me retrouve dans la bande dessinée et l'illustration. J'ai des bandes dessinées, 3 bandes dessinées et des albums illustrés et plusieurs couvertures de livres écrites par d'autres personnes que j'ai illustrées. La BD consacrée à Eto, alors c'est une biographie, c'est sa biographie officielle même, en bande dessinée. C'est un gros projet parce que c'est en 9 tomes, donc ce qui est quand même, ce qui n'est pas rien, et ce qui me prend beaucoup de temps, et voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire cette série, voilà, qui marche bien. Alors, la rencontre avec Eto, en fait, comme beaucoup d'artistes ou de personnalités, hein, des politiques, des sportifs, bref, il souhaitait bien sûr écrire son autobiographie. Mais il a voulu la faire d'une manière plus originale, c'est-à-dire en bande dessinée. Bon, étant donné que lui-même ne dessine pas, et il fallait donc faire appel à une plume, un crayon, donc c'était moi. Donc il connaissait ma première bande dessinée Petit Joss, qu'il avait appréciée, et donc il a souhaité me confier ce travail. J'ai reçu un mail de sa fondation qui m'invitait à un rendez-vous avec lui. Je suis allée au rendez-vous et je l'ai rencontré. Nous avons discuté de son projet, comment ça pouvait se réaliser, la faisabilité, tout ça. On s'est mis d'accord et puis voilà, le projet s'est fait.